Je me dis que c'est pour ajouter des petits détails dans le journal, machin, truc, mais on s'en fout. L'exécution n'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un évier, regardez. Hop, de la vie. Hop, de la vie. On va se régénérer, hein, tranquille. De la vie. De la vie. Hop, de la vie. Hop, de la vie. Hop, de la vie. Hop, on est full. Parfait. Merci les évier. On va fouiller quasiment toutes les salles. Oh, maintenant on n'a plus qu'à grimper. J'ai pas vu d'ennemis donc. On monte les amis, il est temps d'en finir avec cet ennemi. Perso. Qu'avons-nous fait? Certains de nos actes m'emplissent de remords. Pourra-t-on jamais nous les pardonner, même si tout venait à s'arranger? Non. Ce n'est jamais si simple. Quand la bureaucratie s'en mêle, tout va pour le pire. Si la vérité éclatait, ce serait notre tête sur le bio. Personne ne doit savoir. Du reste, pourrions-nous contrôler ici quand vous s'en mêle? Je ne peux pas m'empêcher d'en douter. Il est temps d'entamer la phase finale, et rien ne doit être laissé au hasard. Pas de demi-mesure. Seuls quelques-uns sont dans le secret. Ceux qui ont le plus à perdre. C'est la pluie, je vous l'avais dit, ils pouvaient pas nous faire un combat en intérieur alors qu'il pleuvait dehors. C'était impossible, les amis, impossible de faire un... Lâchez-moi! Silence! Avance, morveuse! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ils pouvaient pas nous faire un combat en extérieur alors qu'on avait la pluie, quoi. Enfin, en intérieur, pardon. Alors qu'il pleuvait dehors, c'était impossible. Regardez, il est 30 mètres. C'est peut-être de la merde. Quand même des ressources. Eh, j'ai pas du tout regardé si on avait des runes ici. Dans cette map. Que dalle. C'est la dernière, ils ont décidé que c'était fini. C'est ça. Ça a grimpé. Si, regardez, ça nous servirait potentiellement, elle est là. Corvo a tué bien des gens. Il n'a pas sauvé beaucoup d'impératrices. Nous tous, c'est lui le pire. Non, il m'aime. C'est mon ami. Et je suis l'impératrice. Un peu de dignité, voyons. Notre heure est arrivée. Toi et moi, nous figurerons dans les livres d'histoire. Dis adieu, Emily Caldwin. Les fillettes n'ont pas leur place. Oh, c'était tellement facile. Oh non. Beaucoup trop simple. Beaucoup trop facile, vous allez me dire. Tu viendrais. Tu es mon héros. Les autres sont tous morts, j'imagine. Tant mieux. Je les aurais fait exécuter. Je suis l'impératrice. Je m'en suis douté, c'est pour ça que je l'ai fait. J'avoue. Pas du tout, les amis, mais tellement pas du tout. C'est fini. La lumière au bout du tunnel. Peut-être qu'on va avoir le droit à la dernière cinématique. On a même pas trouvé la dernière rune. Allez, tant pis. Tant pis, tant pis. Fin. Il y a marqué. Puis sur une touche pour continuer. Ça y est, on a atteint la fin du jeu, les amis. Dernière cinématique. Temps de se faire plaisir. Que nous dira l'histoire? Que la fille d'une impératrice assassinée accéda au trône sur une montagne de cadavres portée par un tueur nommé Corvo? Ouais. Non. Elle dira que la jeune Emily Caldwin prit le pouvoir à une époque chaotique et qu'elle régna de son mieux dans un monde sans merci pour les fillettes et les impératrices. En même temps, c'est pas faux, hein. La pauvre gamine, elle a rien demandé à personne. J'avais oublié qu'il ressemblait à ça, Corvo, en vrai. Je me rappelle même pas qu'on l'ait vu, en fait. Mais que ton nom soit inscrit dans les pages de l'histoire ou non, elle se souviendra que tu étais là, Corvo. Ça veut dire quoi, genre qu'on est mort ?
Et voilà les amis, on a terminé Dishonored. Finalement, j'ai complètement fait mon tournage en une journée sur la fin de Dishonored. On a tout fini, tout fini, tout fini, tout fini. Donc voilà, c'était cool. C'était cool, c'était vraiment cool. Moi perso, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai beaucoup aimé l'univers de manière générale. J'ai trouvé que c'était glauque et en même temps c'était mesuré. Et du coup c'était sympa parce que... Sans que ça soit non plus... trop réaliste au final, il y avait quand même des points qui étaient intéressants, qui étaient très intéressants à voir par rapport à ne serait-ce qu'au design en fait finalement et à l'époque qui était c'est fictif, on est d'accord, mais j'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'il y a quand même des détails qui étaient cool et intéressants. Et voilà, j'ai trouvé ça cool parce que c'était cool et intéressant et que c'était cool et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était cool et j'ai trouvé ça cool parce que c'était intéressant. Non, plus sérieusement, j'ai vraiment aimé le jeu. J'ai vraiment aimé le jeu, que ce soit pour son scénario, pour son ambiance, pour son univers même, et pour ses personnages qui étaient intéressants en soi, même si c'était pas tous aussi creusés au final. On a des personnages qui sont passés très rapidement dessus. On se doutait très bien qu'en exécutant le Lord Régent, finalement, le jeu ne serait pas fini, ce serait trop facile. Et c'était obligé qu'il y aurait finalement, au vu de l'image qu'avait Corvo, qu'il y aurait quelque chose qui se passerait après vis-à-vis des mecs avec qui on était depuis le début. J'ai pas eu ma bataille avec les loyalistes sur... la prise d'assaut du... Ouais, on va dire que je l'ai eu, entre guillemets, mais... Ouais, on va dire que je l'ai eu. Allez, on l'accepte, on le valide. Donc je pensais vraiment pas que ce serait à ce moment-là du jeu. Et je vous avoue que je pensais vraiment pas que ce serait à ce moment-là du jeu. Enfin bon. Du coup, moi, je vais vous laisser juste l'ending, parce que c'est comme ça. Et... puis c'est tout. Je pense qu'on a dit ce que vous voulez. Si vous avez des questions à poser vis-à-vis de ça, vis-à-vis des points qui peuvent être intéressants à soulever vis-à-vis du jeu et vis-à-vis de ce que j'en ai pensé, parce que je vais pas en dire grand chose là maintenant tout de suite, vous pouvez me les poser en commentaire. Je répondrai aux commentaires, je poserai des questions intéressantes. Pas du type je sais pas, question débile, hein, on va pas prendre d'exemple. Mais si vous avez des questions et qu'elles sont pertinentes et intéressantes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et j'espère que de votre côté, vous, ça vous a plu de me voir jouer à Dishonored. C'est un jeu que j'avais envie de faire depuis longtemps, tout simplement parce que j'avais jamais eu l'occasion de le faire. C'est vrai que le fait de tourner maintenant et d'être sur YouTube, ça me permet de faire des jeux, peut-être de prendre plus de temps vis-à-vis de jeux que j'avais pas l'occasion de faire avant. Puisque une fois que c'est commencé et je suis obligé de les finir parce que sinon c'est pas cool pour vous. Mais c'est vrai que moi mon problème c'est que je joue à des jeux et puis ah il y a un nouveau jeu qui sort et au final je joue à un autre jeu et j'oublie le jeu auquel j'étais en train de jouer avant. Et là c'est vrai que le format que j'ai adopté, du coup le format YouTube, de faire des séries, ça m'oblige finalement à finir les jeux et ça m'oblige aussi à me lancer dans des trucs qui peuvent m'intéresser, me plaire et vous plaire à vous aussi. Et je pensais que Dishonored vous plairait, dans le sens où c'est vrai que c'est plus actif peut-être que d'autres jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer et auxquels vous avez l'habitude de... Enfin, les jeux que vous avez l'habitude de voir plus sur ma chaîne. J'ai trouvé ça vraiment cool comme expérience. J'espère que vous, de votre côté, ça vous a plu. Et si c'est le cas, bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, à partager les vidéos et également à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront, comme d'habitude, en description sous la vidéo. C'était Kataste, bon visionnage à vous, et ciao ciao.